Et coucou à toutes et coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une spéciale haul Shein. Alors pour moi, ça fait quand même pas mal de semaines que j'ai pas fait de haul Shein. Mais pour vous, peut-être que voilà, c'est récurrent à force de voir toujours les mêmes choses. Mais ne vous inquiétez pas, vous verrez d'autres choses entre-temps. Donc voilà. Alors je ne suis pas du tout maquillée pour faire cette vidéo. Désolée par avance. Franchement, j'ai une flemme absolue de me maquiller en ce moment parce que c'est bien de garder un peu son teint naturel. Donc, pour vous dire que à Noël, j'ai reçu une carte cadeau de quelqu'un de ma famille et donc, du coup, moi j'ai rajouté en plus pour que ça fasse parce qu'il fallait rajouter un petit peu beaucoup en plus pour avoir toute ma commande que je voulais. Donc, en tout, je crois que j'ai entre 12 et 14 articles. Alors, spoiler! Ce que vous voulez. Il y a deux articles que je ne vais pas vous montrer car si je vous montre ces articles, ces deux articles que je vais pas vous montrer, voilà, j'aurais montré ces deux articles, je pense que cette vidéo n'aurait pas pu se mettre sur YouTube. Je pense que j'aurais été même signalée sur YouTube. Donc je ne préfère pas vous les montrer. Parce que bon, les deux articles sont un peu plus personnels, on va dire ça comme ça. Je dis ça, je dis rien. Pour les personnes qui me connaissent, ils savent de quoi je parle. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, bah, c'est pas grave, hein. Je vais pas vous dire ce que c'est évidemment. Mais pour les personnes qui me connaissent très très bien, voilà, qui savent, voilà, il y a 2-3 personnes qui sont au courant de ce que j'avais acheté sur le site, ces deux articles-là en particulier. Donc, et je préfère pas les montrer parce que sinon, comme je vous ai dit, sinon je serais bannie de YouTube ou peut-être bloquée ou cette vidéo aurait été bloquée, un truc comme ça. Bref, donc je vais vous montrer tout ce que j'avais acheté sur. Bah, tout le reste sur Chine. J'en ai eu en tout, avec les deux articles que je ne vous montre pas, je crois que j'en ai eu en tout pour 105 euros, je crois. Mais comme j'ai eu ma carte cadeau, donc j'ai rajouté évidemment. Bref, donc c'est-à-dire que moi j'ai eu 50 euros de carte cadeau et j'ai mis le reste en carte. Parce qu'on ne paye que par carte ou par PayPal, hein, comme vous savez, sur Chine. Donc je réexplique comment ça fonctionne, Chine. Chine, c'est un site chinois, ou un truc comme ça, bref. Et franchement, c'est super fiable, vous n'avez aucun problème. Vous pouvez être livré chez vous, vous pouvez être livré en mondial relais. Ça arrive entre 9, 11 jours à peu près. Donc voilà, si vous êtes, si vous êtes, comment dire, si votre colis vous le voulez chez vous, mais que c'est un gros colis, faites attention, restez chez vous ce jour-là ou ne, faut que, ou reprogrammez vous pouvez voir reprogrammer la livraison un samedi si vous êtes chez vous, parce que si c'est en semaine et vous n'êtes pas chez vous, bah voilà. Sinon, pour être, bon, là j'ai fait la bêtise de faire chez moi la comment ça s'appelle? La livraison, mais normalement je vais faire mondial relais, donc je me suis levée exprès entre guillemets à 8h du matin. Je sais que c'est tard pour certaines personnes, mais voilà. Je me suis levée à 8h du matin exprès pour prendre mon colis à 8h10. Le mec de Colissimo était déjà là, donc c'était parfait. Donc j'avais plus qu'à attendre. Bref, mais d'habitude je vais le chercher en mondial relais, mais là cette fois-ci j'ai mis mon adresse perso. Parce que j'avais dit que plus jamais je remettrais mes colis chez moi, que je mettrais directement chez Mondial Relais ou chez Relais Colis ou chez Chronopost, c'est ce que vous voulez là. Mais là, je me suis trompée. Bon, bref, c'est pas grave. Du moment que j'ai reçu le colis, c'est le principal. Et écoutez, à part ça, franchement, Chine, donc si vous avez un compte, c'est gratuit, etc. Ça prend 10 secondes à vous faire un compte. Tous les jours. Dès que vous vous connectez, donc n'importe quand dans la journée, vous avez des points qui se cumulent, et à un moment donné, bah, ça arrive à pas mal, donc des points qui se transforment en euros quand vous commandez, plus les codes promo, plus des fois ce que vous, des fois les mini-jeux qu'il y a sur le site de Shein aussi, donc vous l'avez en application ou sur site, sur un PC normal, sur tablette, tout ce que vous voulez. Donc voilà, moi je fais ça sur téléphone. Et puis voilà, comme je vous ai dit, ça arrive à peu près à peu près 11 jours maximum, à peu près. Donc ça dépend comment c'est foutu, etc. Machin, avec les jours fériés, pas les jours fériés, les week-ends, pas les week-ends, etc. Bref. On ferme tout ça. Et donc du coup, ma grande commande est juste à côté de moi. J'espère que vous allez bien me voir. Donc voilà. Donc là, j'ai un peu changé, pas le décor. Je suis toujours chez moi. Hein, mais d'habitude, quand vous voyez mes hauts chines, je suis tout le temps. Vous voyez autre chose derrière. Et là, j'ai voulu changer un peu. Bref. Donc. Et dernière chose, tout ce que j'ai reçu de Chine, donc c'est avec ma carte bleue et avec la carte cadeau qu'on m'a offert.
Donc il n'y a rien, on m'a rien offert gratuitement, c'est pas Chine qui m'a offert, etc. Et deuxième chose, ce qu'il y a à l'intérieur du colis, je les ai tous essayés, à part il y a deux trucs où c'est pas des vêtements, c'est pour la maison. Oui, deux choses, c'est pas des. Voilà. Et tout le reste, c'est des vêtements que j'ai essayés moi la veille. Alors, et donc dernière et troisième chose, nous sommes aujourd'hui un jeudi, donc je les ai reçus hier, donc un mercredi. Oui, un mercredi. Et donc du coup, quand vous verrez cette vidéo, ça ferait déjà quelques semaines que ça sera déjà passé, que je les aurais déjà lavés, rangés, habillés, nanana. J'aurais même déjà même mis des vêtements entre-temps, etc. Bref, on est parti. Et donc j'ai tous essayé et tout me va. Pardon, tout me va, n'importe quoi, c'est pas du français ça là. Tout me va. Alors, à chaque fois je vous dis, donc c'est dans des pochettes comme ça individuelles. Moi que je garde. Donc après c'est, par exemple, quand vous voulez mettre quelque chose dedans ou des trucs un peu. Par exemple, moi, à Noël, j'avais pris ça pour mettre mes sous-vêtements à l'intérieur. Comme ça, je mettais tous mes sous-vêtements à l'intérieur. Comme ça, c'était pas dans le bazar, dans la valise, etc. Vous pouvez garder une grande pochette, un peu plus grande pour vous un châle ou. Par exemple, si vous voulez mettre, je sais pas moi, quelque chose de un peu plus. Par exemple, si vous avez un sac à main de luxe et vous pouvez pas et vous avez peur de l'abîmer, un truc comme ça, vous mettez dedans, ou n'importe quoi, ou une paire de tongs, ou un truc comme ça pour l'été, vous mettez ça à l'intérieur, machin, pour pas abîmer vos vêtements, etc. Bref, voilà. Donc, je vais juste rapprocher, oula, une chaise. Alors, si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est aussi la chaise. Hein. Hop. Donc, premier article que j'avais déjà acheté en noir, mais là je l'ai pris en gris anthracite. C'est un pantalon. Je vous mettrai à chaque fois. Alors, si vous voulez checker, vous regarderez en bas, en barre d'infos. Je marquerai tous les noms, plus les numéros d'articles, etc. Le prix qui sont sur le site. Donc, peut-être qu'entre-temps ça a bougé, ou entre-temps c'est les soldes, ou entre-temps, etc. Machin. Il y a souvent aussi des soldes sur Chine, donc voilà. Bref, et je vous mettrai les numéros d'articles, etc. Donc là, j'ai pris un. Je crois que ça s'appelle ça, ils appellent ça un cargo. Donc c'est un cargo un peu donc, gris anthracite. Donc je l'ai pris en autre couleur aussi. Mais là, c'est un gris anthracite, donc il y a des poches. Donc voilà, le pantalon à la fin, il est comme ceci, il est resserré, mais il va très bien. Moi, je l'avais déjà en noir, comme je vous ai dit. Donc là, j'ai pris en gris et je l'ai pris en autre couleur. Donc c'est franchement, il est super top. Alors, comme vous voyez, à ma tronche, état. Je suis une grande taille, donc une curvy, voire curvy plus. Donc ça dépend aussi des vêtements, comme je vous ai dit, ça dépend des vêtements, ça dépend de tout ça. Bref. Et donc du coup, là c'est un 5XL. Donc voilà. Et franchement, ça me va super bien. J'adore. Donc voilà, il y a une poche derrière aussi. Donc c'est un 5XL, hein, je vous mens pas. Hop. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, 5XL, une curvy. Et donc pour la composition de la composition du vêtement, on est sur du 100% polyester. Donc ça pour moi, voilà, c'est un. Franchement, j'adore cette couleur. Je sais pas pourquoi le gris. Ça me change un peu parce que, alors, pour être honnête avec vous, à 90% de mes pantalons, bah de mes bas. On va dire ça comme ça, donc pantalon, jupe, robe et tout ce que vous voulez, à 90%. C'est beaucoup de noir, beaucoup, de pantalons noirs, des robes noires, des jupes noires. C'est affreux, hein, mais c'est comme ça. Ensuite, alors, vous allez voir que j'ai pris quand même deux, trois pantalons, etc. Donc voilà. Ensuite, deuxième pantalon. Donc deuxième pantalon. Hop là. Alors, celui-ci, c'est un pantalon noir un peu. Je ne me rappelle plus comment ils avaient appelé ça sur le site. Donc, ils existaient en deuxième couleur, mais je vais le prendre aussi en deuxième couleur dès que je pourrai. C'est un pantalon noir, vraiment très élastique. Hein, voilà. Donc, voilà. Resserré aussi en bas, avec des faux boutons ici, vous allez voir. Et avec des poches. Et là, franchement, ça, c'est le Graal, avoir des poches. Parce que moi, sinon sur mes autres pantalons, comme je vous ai dit, il y a des pantalons où j'ai aucune poche de base. Voilà, je suis pas quelqu'un qui a des poches, etc. Donc voilà, c'est un pantalon noir classique. Donc là, cette fois-ci, comme je vous dis, il y a des poches sur les côtés, sur les deux côtés. Il y a un petit galon ici que je vais pas resserrer, voilà, pas obligé.
Et là, on est toujours sur du 5XL. Et la composition, je pense que... Voilà. 95% de polyester et 5% d'élastane. Et franchement, un conseil, si vous êtes comme moi niveau corpulence, prenez un 5XL. Après, ça dépend de votre corps, ça dépend comment vous êtes, etc., physiquement. Mais vous avez de toutes les tailles. Hein. Donc voilà. Mais moi, franchement, j'adore. Alors évidemment, si vous êtes maigre, mince, bah, on va dire mince parce que maigre, voilà. Si vous êtes mince, vous avez, voilà. Alors, et donc, je le rappelle, c'est pour les femmes, les enfants, les hommes. Vous avez aussi pour la maison, vous avez la décoration, vous avez la papeterie, vous avez les soins, la beauté, etc., machin, nanan, dessus. Et franchement, c'est toutes les tailles. Vous avez de tout. Ça peut être donc des pantalons, des jupes, des robes, des vestes, voilà, comme des chaussures. Vous avez vraiment les chaussures et tout. Donc, voilà. Bref, ensuite, voilà, celui-là, je l'ai enfin en toutes les couleurs. Donc, j'ai le dernier. Donc, j'enlèverai l'étiquette. C'est, je vous l'avais montré déjà la dernière fois sur les autres couleurs. C'est un t-shirt marqué Miami dessus. Et là, on est sur un couleur vermante. Vous n'allez pas voir, hein, mais quand je vais mettre le numéro d'article, comme ça vous pourrez les voir directement. Vous aurez juste, quand je vais mettre le numéro d'article, vous aurez juste à faire copier-coller et vous verrez ce que c'est. Donc voilà. C'est un 5XL aussi. Donc c'est de la. Ceux-là, c'est les Chin Easywear. C'est ceux-là. Donc c'est la gamme Easywear. Donc vous avez aussi, voilà, vous avez la gamme Chin Easywear. Vous avez la gamme. J'ai vu. Il y a plusieurs gammes dans Chine. Donc, mais bon, je m'en fous. Donc c'est un 5XL. Oui, c'est ça, un 5XL aussi. Donc voilà. Et franchement, on est super bien dedans. Alors évidemment, c'est pas vraiment la période pour mettre ce genre de t-shirt. C'est plus pour la période printemps-été. Hein. Voilà. Fin printemps, même, j'irais. Hein. Pas début printemps, fin printemps. Et 95% en polyester, 5% élastane. Et franchement, moi, j'ai tous les autres. Bah, j'ai les deux autres. Et franchement, c'est de la bonne qualité. C'est super bien. J'adore. Je suis trop fan. On est bien dedans, franchement. On est à l'aise. Moi, je trouve que moi, je suis à l'aise dedans. Alors après, encore une fois. Voilà. Peut-être que ça peut-être. Moi je sais que peut-être que ça me va pas. Mais j'aime bien mettre ça. J'aime bien mettre ça quand je reste à la maison, quand je vais faire des courses. Ou pas trop à la maison, mais quand je vais faire des courses. Ou quand par exemple quand j'allais au travail, je mettais ça à l'été, etc. Voilà. Et on était très très bien dedans, donc il n'y avait pas de problème particulier. Ensuite. Bah là, c'est exactement, comme je vous ai dit, le même cargo que tout à l'heure que je vous ai montré en gris, mais là, cette fois-ci, il est en bleu marine. Donc, ça, vous allez peut-être pas voir que c'est en bleu marine, mais il est en bleu marine, je vous assure. Donc, je l'ai en noir chez moi, donc je l'ai en gris, et là, je l'ai pris en bleu marine. Comme ça, au moins, j'ai trois couleurs différentes. Voilà, c'est. Voilà. J'ai voulu prendre bleu marine parce que j'ai pas de pantalon bleu marine. Que vous vouliez ou non. Je crois pas que j'ai des pantalons bleu marine. Non, non. J'ai des pantalons noirs, ouais, mais pour bleu marine, j'en ai pas, je crois pas. Donc voilà, pareil, hein, voilà, c'est la même chose, donc c'est la même composition que l'autre de tout à l'heure. Toujours des poches et tout, machin. J'ai toujours pris le 5XL. Donc voilà, c'est. Franchement, je suis trop trop fan. J'ai rien à dire sur ça. Alors, là, c'est exactement les mêmes. Mais je vous montrais les deux quand même, hein, c'est grave. C'est exactement la même chose, sauf que c'est deux couleurs différentes. Et j'ai déjà en noir et en rouge. Et là, cette fois-ci, je l'ai pris en parme et en vert. C'est des grandes robes, pardon, des robes comme ceci, très 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 longues. Alors, pour information, je fais 1m60, ben 1m59, 1m60, 1m60. Et ça me va juste vraiment tout en bas. C'est-à-dire que voilà, on ne voit pas mes pieds. C'est-à-dire que si je mets des baskets, ben on les voit pas. Parce que par exemple, j'avais mis une robe comme ceci, noire, pour mon anniversaire. Ben pour faire ma soirée anniversaire. Et on ne voyait pas mes pieds, on ne voyait pas mes baskets. Parce que j'étais en basket. Petite basket, petite tennis, voilà, toi-même, tu sais. Et donc du coup, j'avais mis une robe comme ça, nommée noire et tout. J'étais en full black ce jour-là. Je sais pas. Me demandez pas pourquoi j'étais en full black. Mais j'étais en full black. J'ai voulu, voilà. Mais bon, j'avais mis ce qu'il fallait niveau. Make-up, j'avais ressorti un peu mes yeux et tout. Bref, on s'en fout. Et donc, franchement, alors, là, la robe noire, celle que j'avais, c'est un 5XL. Là, on est sur du 4. Je sais que c'est du 4XL. Alors, moi, je vous conseille que si vous avez des formes comme moi, moi, ce que je fais, alors, peut-être que vous avez peut-être trouvé ça ridicule, moi, en dessous de ma robe ou en dessous d'une jupe,
Voilà. Soit en dessous d'une robe. Je mets. Excusez-moi, ça va faire du bruit. Je mets. Comment ça s'appelle? Je mets un cycliste. Alors, après, vous pouvez trouver une gaine, sinon une gaine amincissante, un truc comme ça. Mais moi, je mets des cyclistes pour ça. Que ça soit un peu plus homogène, entre guillemets, le homogène, voilà. Donc, je mets un cycliste. Par exemple, la robe noire que j'avais portée. À la soirée de mon anniversaire, j'ai mis un cycliste noir en dessous pour, voilà, pour faire homogène et tout ça. Bref, donc là, donc c'est une robe longue avec donc, un bretelle. Donc évidemment, c'est pas vraiment la période, à part si vous mettez une petite veste au-dessus et tout machin, etc. Donc voilà, elle est comme ceci, elle est parme. Alors vous n'allez peut-être pas voir la couleur, elle est parme. Elle est trop trop belle. Et comme je dis, moi je suis 1m60, donc ça me va jusqu'en bas des pieds. Alors si vous êtes plus grande que moi, ça va pas vous faire comme moi, évidemment. Et si vous êtes plus petit que moi, ben ça va vous. Vous allez marcher dessus. Donc voilà, et donc là c'est bien. Donc un 4XL, je vais pas vous mentir. Donc je vous mens pas. Hop, 4XL. Et donc là, compositionne 100% polyester. Donc voilà. Et je. Alors, quand vous allez voir cette vidéo, ce sera le jour que je vais partir. Parce que je ne suis pas là le week-end du 20 janvier. Voilà, je ne vous dis pas où je suis, mais je ne suis pas là. Voilà, je reste pas longtemps, hein, c'est juste pour une soirée. Et donc du coup, je vais porter ceci. Donc je suis trop contente. Ouais, je suis trop trop contente. Franchement, c'est voilà. Je vais porter ça, je vais mettre avec ça avec une petite veste au-dessus, etc. Donc voilà. Donc on verra cette vidéo. Je serai déjà en train de la porter. Ensuite, j'ai pris la même chose, mais cette fois-ci. Donc là, ça va être plus pour dans 300, dans 300 jours, depuis 300 jours. J'ai pris la même, mais en verte. Voilà, ça par contre, ça me saoule, là, les petits trucs là, à la con, là. Et j'ai pris la même chose en verte. C'est toujours de la 4XL aussi. Vous avez de toutes les couleurs. Moi, j'ai pris. Donc j'ai déjà la noire, donc la rouge. Donc là, maintenant, j'ai la pâle, j'ai la verte. J'adore. Trop pas. Donc c'est la même chose, mais cette fois-ci en vert aussi. Hein. Regardez-moi ça. Elle est trop trop belle. En vert, franchement, elle déboîte. J'adore. Vous allez pas voir, c'est du vert. Hein. Mais je vous assure que c'est du vert. J'ai hâte, vraiment. J'ai hâte de la porter dans plus de 300 jours maintenant, parce que c'est pour. Je sais quand je vais la porter. Donc voilà. Voilà, j'ai déjà. Vous inquiétez pas, je prévois déjà tout hein, à l'avance à peu près. Bref, en espérant que normalement je suis encore là cette année, hein, il n'y a pas de raison que. Voilà. Bref, ensuite, on a bientôt fini. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, je me suis pris une blouse longue, à manches longues aussi surtout. Mais elle est quand même assez légère pour une blouse. Hein. Donc, hop, je vais essayer de retrouver le devant et le derrière. Donc, c'est une blouse à manches longues. Alors, hop, comme ceci. Elle est comme ça, donc à manche longue. Donc là, c'est resserré au niveau des poignets. Et là, c'est un petit peu, comment dire, un peu décolleté, on va dire, c'est un petit peu beaucoup décolleté, hein. Donc voilà, elle existait en trois coloris. J'ai préféré prendre une coloris assez basique, entre guillemets, parce que les autres couleurs, j'aimais pas trop, trop. Et honnêtement, c'est l'article qui me. Alors, j'aime beaucoup, hein. Voilà, une blouse qui va assez long, donc qui en fait qui est court devant mais long derrière. Voilà, bref, mais alors c'est l'article que j'aime le moins de ma commande. Je vous explique pourquoi. Parce que, donc, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de formes au niveau du ventre. J'ai des formes partout. Bon, au niveau du ventre, j'ai quand même des formes assez généreuses. On va dire ça comme ça. Je vais pas m'insulter, mais vous avez compris. Et donc, du coup, je trouve que c'est un poil. Je suis, comment dire. J'aurais préféré un tout petit peu plus long d'une dizaine de centimètres. Ouais, une dizaine de centimètres plus long au niveau du haut. Bah en bas, bah, devant. Comment dire? Ouais, devant. Une petite dizaine de centimètres plus bas au niveau du devant. Mais sinon, à part ça, bah, je la mettrai quand même, vous inquiétez pas. Et donc, pour la composition, est-ce que je vais essayer de trouver. Parce qu'il faut que je trouve là. L'étiquette. Donc c'est un US 24-26. Donc c'est un on a un Curvy Plus. Hein. Donc c'est une grande grande taille.
Voilà, pas besoin de m'insulter les gens sur les réseaux, c'est pas la peine. 100% polyester. Donc voilà. Mais sinon, elle me va très très bien. Hein. Elle me va super bien. Hein. Elle me va même un poil trop grande. Mais au niveau du devant, il manque 10 bons centimètres pour moi. Voilà. Parce que j'aime pas trop dévoiler mes formes. Voilà. Malheureusement, on a beaucoup de formes, mais on n'aime pas. Alors, il y a des personnes qui aiment bien montrer ses formes. Moi, j'ai horreur de ça. Je ne peux pas montrer mes formes. Je me cache un maximum. C'est comme ça. Ensuite, dernier article niveau vêtements. Là, cette fois-ci, donc c'est un haut à manches longues, toujours. Attends, hop. Un peu gris, comme ça. On est sur du gris aussi. Il y a un peu de noir, mais bon, c'est beaucoup. C'est que du gris, sinon. Donc voilà, comme ceci, un truc à manches longues. Voilà, hop. Ici, là, voilà. Et devant, je sais pas si vous allez voir, il y a c'est des faux boutons, donc ça fait un peu. Voilà, j'aime beaucoup. Alors, franchement, je l'ai essayé. J'adore. On est trop bien dedans. C'est pour la période. C'est pour cette période-là. Voilà. Ça va faire du bruit. C'est pour cette période. Cherchez pas, c'est franchement, donc c'est un 5XL. Il y a des gens qui met pas trop trop au niveau de devant, que ça faisait pas assez symétrique, je sais pas quoi, que le décolleté, alors que moi ça me va super bien parce que j'ai quand même une poitrine assez généreuse, hein, voilà, bref. Donc pour les personnes qui ont des poitrines assez généreuses, ça peut passer ce genre de vêtements. Si vous n'avez pas une poitrine assez généreuse, malheureusement ça va pas faire très très joli. Je préfère vous le dire. Donc voilà, donc c'est un 5XL comme je vous ai dit. Et franchement, on est super bien dedans. C'est vraiment pour la période. Donc je pense que je vais le mettre très bientôt. Une grande chance. Parce que vu la période de froid qu'on se tape. Alors quand j'enregistre cette vidéo, nous sommes même pas mi-janvier. Hein, je préfère vous le dire. Et il fait très 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 froid. Donc voilà. Et pour niveau de la composition, bon, bah, je pense que il n'y aura pas trop trop de surprises hein, normalement. 95% polyester, 5% d'élastane. Donc voilà. Tout simplement. Et franchement, j'ai bien fait de l'acheter parce que moi je sais que j'ai beaucoup de hauts à la maison. Mais voilà, ça me change un peu parce que j'ai pas beaucoup de hauts à manches longues. Donc voilà. Et ensuite, donc les deux derniers articles qui concernent la maison. Et là, je ne les ai pas ouverts. Je peux pas. Voilà. Mais je sais ce que c'est. Hein. Je ne les ai pas ouverts. Hier, parce que c'est pas des vêtements, donc je m'en fous un peu. Hein, je l'ai dit. J'ai pris un premier tapis de cuisine, comme ceci, un petit tapis, comme ça, un peu style, un peu voilà, parquet, un faux parquet, machin, nanana. Donc j'ai pris un 40 sur 60 cm, donc c'est un petit, hein. Et je sais, vous inquiétez pas, je sais où je vais le mettre, par contre ça pue quand vous ouvrez le truc. Donc voilà, il est comme ceci, je sais pas si vous allez le voir, voilà, comme ça. Derrière, c'est comme ça, c'est bien, voilà, c'est. J'aime beaucoup. Non, évidemment, ça pue. Normal. Et on le sortait du. Voilà. Mais sinon, voilà, ça fait un peu style faux parquet. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Par contre, je suis. En plus, il m'a pas coûté trop cher. En plus, il était en solde. Donc, j'en avais profité. Et ensuite, le dernier article aussi, qui est aussi un autre tapis de cuisine. Là, cette fois-ci, que j'ai pris un peu plus grand. Vous inquiétez pas. Donc là, cette fois-ci, j'ai pris un tapis de cuisine, c'est un 50 par 80. Hop. Et c'est un tapis de cuisine qui est comme. Attendez, que oui, je vais mettre bien correctement. Que je vais mettre à l'endroit quand même, c'est mieux. Voilà. Qui est comme ceci. Hop, je sais pas si vous allez voir. Voilà, avec donc des tasses à café. Voilà, une cafetière ou une bouilloire, je sais pas quoi. Des couverts ici. Et là, il y a marqué un truc en anglais. Je sais pas ce qu'il y a marqué d'ailleurs. I love cooking, donc j'aime cuisiner. Donc oui, j'aime un petit peu. Donc ça va. Voilà. Hop. La couleur, on est sur un beige très entre du beige gris, etc. Qui est très joli. J'aime beaucoup. Et comme je vous ai dit, c'est un 50 par 80. Et là, alors, je l'ai acheté. Pourquoi? Parce qu'il y avait une promotion aussi dessus. Il y avait des soldes dessus, donc j'en ai profité. Donc voilà. Pour enfin. J'ai enfin fini ma commande, bah, vous montrer ma commande de Chine. À part quand je vous ai dit, il y a deux articles que je ne vous montre pas parce que sinon j'aurais été signalée sur YouTube.
Je ne peux pas vous dire ce que c'est, mais je pense que des gens, s'ils ont un minimum d'intelligence, savent ce que ça peut être. Voilà. Bref. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez d'autres vidéos très prochainement. Je pense que vous pouvez voir aussi toutes mes vidéos précédentes sur, voilà, sur mon YouTube. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je ne sais pas pour l'instant. Pour niveau des commentaires, je préfère vous le dire. Je restreins les commentaires parce que à force de recevoir. Le seul, en fait, j'ai reçu un message méchant sur une de mes vidéos YouTube make-up. Et depuis ce temps-là, je restreins vraiment les commentaires. Alors, si il y a des personnes qui regardent mes vidéos et qui veulent m'insulter, ce n'est pas passez votre chemin, en fait, au final. Passez votre chemin. Parce que vous serez bloqué automatiquement, voire signalé de ma chaîne YouTube. Donc voilà. Voilà. Donc, au moins, likez si vous voulez liker la vidéo. Et donc, vous aurez d'autres vidéos prochainement. Il y aura des pauses à un moment donné dans l'année où je ferai des pauses vidéo, évidemment. Parce que voilà. Je sais qu'il y aura une grande pause vidéo YouTube pour l'été. Je l'annonce aujourd'hui. Il y aura une grande pause pendant plus de 2 mois. Je préfère vous le dire, plus de 2 mois, il y aura une pause de YouTube. En tout cas, pour ma part. Parce que je pense qu'il va faire très chaud cet été. Et que moi, avec les vidéos, je ne pourrai pas assurer, machin, etc. Et peut-être qu'entre-temps, voilà, j'aurai des projets et tout. Donc, je n'aurai pas. Voilà, ce ne sera pas possible. Bref, donc, si vous voulez liker cette vidéo, n'hésitez pas. Je vais mettre les commentaires. Je vais activer les commentaires quand même. Et si c'est pour m'insulter, passez votre chemin, comme je vous ai dit. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets tout en barre d'infos, tous les articles, les numéros d'articles, etc. Les prix, vous inquiétez pas. Donc voilà, je vous fais à tous des gros bisous, prenez soin de vous et